Salut à tous, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de mon appart en Thaïlande. Je voulais vous faire une vidéo à l'intérieur aujourd'hui parce que j'ai des choses à vous montrer sur mon calepin et qu'il fait accessoirement un temps de merde à l'extérieur. Donc je vais vous faire cette petite vidéo à l'intérieur aujourd'hui. Il faut savoir que le seul avantage quand il pleut en Thaïlande, c'est que du coup c'est trop beau au niveau des montagnes, vous avez de la buée qui tombe, enfin de la buée, vous avez du... Vous avez des espèces de nuages qui tombent le long du, qui tombent le long du, de la montagne. C'est vraiment super beau. Je vous ferai une photo, je vous la montrerai à la fin de cette vidéo. Bref, je voulais dans cette vidéo vous parler de business sur Internet. Je voudrais vous donner trois idées de business. Alors pourquoi est-ce que je dis business sur Internet? Parce que ici on va parler de sommes qui sont assez importantes. Alors je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, il faut le savoir, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça prendra le temps que ça faudra, ça prendra. Mais voilà, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous expliquer des vraies idées de business qui fonctionnent. Dans ces trois idées de business, j'en ai deux qui fonctionnent actuellement à mon compte. Et la troisième idée de business, c'est une connaissance qui a développé ce business-là. Et je vais vous en parler puisque c'est encore une fois quelque chose qui rapporte énormément. Il faut savoir qu'on va parler un petit peu d'argent dans cette vidéo. Ne soyez pas frustrés des montants que je vais vous détailler ici. Je vais vous dire un petit peu combien ça rapporte de faire ci, de faire ça. Ne soyez pas choqués. Je comprends que certains soient un petit peu offensés par les montants dont je vais parler dans cette vidéo. Mais voilà, il faut savoir que c'est la réalité. C'est des choses qui fonctionnent. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo puisque je veux être totalement transparent avec vous. Et je sais que de toute façon, si je ne dis pas les montants, il y en a qui vont me poser la question dans les commentaires. Donc, on va parler tout d'abord d'un premier business. Le premier business que je vais vous présenter ici, ça va être autour d'un blog. Alors, il faut savoir que un blog, tout le monde sait qu'on peut créer des vidéos, des formations, etc. et les vendre comme des e-books. On peut les vendre, on peut gagner de l'argent sur Internet. Ok, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Le premier business, la première idée de business qu'il y a ici, ça tourne autour d'un blog. Et l'idée, c'est que vous ne soyez que le propriétaire du blog et que d'autres blogueurs écrivent des articles pour vous gratuitement et que vous, donc du coup, vous avez plein d'articles sur votre blog gratuitement, donc du coup, plein de visiteurs qui arrivent sur votre blog alors que vous n'avez pas travaillé, ce sont les autres blogueurs qui ont écrit. Et comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Eh bien, tout simplement grâce aux visiteurs qui vont arriver et qui vont du coup pouvoir s'inscrire en donnant leur email tout simplement à différents. À différents blogueurs. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes déjà certainement allé sur un blog ou sur un site où vous avez déjà vu sur le côté, par exemple, donnez-moi votre email, vous allez recevoir un e-book gratuit, etc. Il faut savoir qu'il y a des sites qui proposent plein d'e-books de différents blogueurs et qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, eh bien donc c'est le blogueur en question qui reçoit l'email, c'est pas le blog sur lequel vous vous êtes inscrit. Et forcément, lorsque quelqu'un s'inscrit, eh bien, le blog en question est payé. Okay? Donc, par exemple, vous allez sur un blog, vous allez sur un blog qui est très connu. Par exemple, pour l'exemple, je vais choisir le site webmarketing-com.com, puisque c'est un site qui m'a fait découvrir cette technique. Le propriétaire en est Sylvain Lambert, qui est d'ailleurs, si tu me vois, Sylvain, petit coucou. Il faut savoir que cette personne, Sylvain Lambert, c'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment ingénieux puisque ce qu'il a mis en place, vous allez voir que c'est très rentable et il écrit vraiment très très peu. Je crois qu'il écrit un article par mois. Enfin bref, vous allez voir combien ça rapporte. C'est un truc de fou. Donc, ce qui se passe, c'est que des blogs comme ça peut réunir par exemple 300 000 visiteurs par mois. Alors, il faut savoir que Sylvain Lambert, le site de Sylvain Lambert qui s'appelle webmarketing-com.com est un site qui a atteint les 300 000 visiteurs par mois. Je ne sais plus, il y a de ça quelques mois, j'ai eu, parce que je fais partie de leur groupe Facebook de rédacteurs sur Facebook, et j'ai vu qu'on avait dépassé les 300 000 visiteurs par mois. Donc, il y a plein de publicités entre guillemets sur la droite du blog, et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur ce blog en question, eh bien, l'email de la personne est envoyé directement au blogueur concerné. Et du coup, le site webmarketing.com reçoit de l'argent à chaque fois que quelqu'un s'inscrit dessus. Okay? Donc, vous pouvez faire exactement la même chose et je vais vous montrer un plan d'action en trois étapes, tout simplement.
Donc, bien sûr, première étape, il faut absolument créer le blog. Okay? Donc, vous devez absolument avoir créé un blog dans une thématique. Deuxième étape, vous devez recruter des rédacteurs. Alors, comment est-ce qu'on recrute des rédacteurs? On ne va pas les payer, donc on ne va pas les rechercher sur des sites pour trouver des rédacteurs payants, mais on va tout simplement recruter des rédacteurs en contactant différents blogueurs et en leur disant, bah voilà, écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu écrives un article par mois sur mon blog. Et en échange, on pourra mettre un lien qui va de ton blog vers mon blog. Ok? Donc concrètement, vous n'allez pas payer les gens en argent, vous allez payer les gens avec des liens. Donc en mettant un lien de votre blog en question vers le blog du rédacteur qui détient lui aussi un blog. Troisième étape, mettre en place des annonces de co-registration. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, mais sur certains blogs, par exemple ici, le carré qui représente un blog. Par exemple, parfois sur certains blogs, vous avez sur la droite des publicités. Ce ne sont pas n'importe quel type de publicité. Ce n'est pas des publicités qui ont été faites avec Google AdSense. Parce que Google AdSense, c'est une régie publicitaire qui rapporte des miettes concrètement. Puisque pour un affichage ou pour un clic, vous gagnez un truc comme 17 centimes. Là, avec ce qu'on appelle la co-registration, donc le fait de mettre par exemple un petit encart avec le logo de l'e-book. Et la possibilité de donner son email, eh bien, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, il faut savoir que votre site pourra gagner en moyenne 1 euro qui sera reversé vers le site, enfin depuis le site en question qui aura choisi de vous payer. Donc concrètement, donc des personnes, donc les rédacteurs d'autres blogueurs écrivent des articles pour vous. Du coup, il y a plein de visiteurs qui arrivent par le biais des articles que vous avez eus gratuitement grâce aux autres blogueurs. Et concrètement, les visiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils arrivent sur l'article, ils ont deux possibilités. Première possibilité, ils cliquent sur le lien en question et ils vont sur un autre blog. Ok? Je vais mettre ici B pour dire que c'est un autre blog. Ou alors, les visiteurs arrivent sur votre blog et s'inscrivent ici dans une de vos campagnes de co-registration. Donc, ici, elles ont la possibilité de donner leur email à quelqu'un d'autre, ok, à un autre blogueur. Donc, et vous, quand est-ce que vous allez gagner de l'argent? Eh bien, tout simplement, dès que quelqu'un s'inscrit ici, il faut savoir que vous allez être payé par adresse email récoltée. Par exemple, ici, il faut savoir que en moyenne, hein, une adresse email est revendue 1 euro sur Internet. Alors, je dis en moyenne, il faut savoir que c'est le grand minimum pour gagner de l'argent sur Internet. Il faut savoir que les emails peuvent se vendre jusqu'à 3-4 euros selon les secteurs. Mais moi, je vous donne une fourchette de 1 euro. Alors, il faut savoir que le site webmarketing.com réunit en moyenne 300 000 visiteurs par mois. Enfin, en moyenne, je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une moyenne, mais en gros, parfois, il réunit 300 000 visiteurs, parfois moins, parfois plus. Il faut savoir que si vous avez un taux de capture d'email de 5%, ce qui est vraiment très petit, donc ça veut dire que vous avez 100 personnes qui viennent sur votre blog et seulement 5% vous donnent votre email par le biais d'une des campagnes de co-registration. Eh bien, il faut savoir que si vous êtes ne serait-ce qu'à 5% et que comme webmarketing.com, vous avez à peu près 300 000 visiteurs par mois, ce qui est tout à fait possible, eh bien, vous êtes à un taux du coup global de, donc pour 5% d'emails récoltés de 300 000 visiteurs, donc ça vous fait gagner 15 000 emails par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous gagnez 15 000 euros par mois, donc 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, juste en mettant des campagnes de co-registration et du coup en relisant les articles que les personnes vous soumettent, puisque vous avez tout de même besoin de les checker pour éviter qu'il n'y ait pas de gros mots, d'insultes, etc. Vous devez simplement relire les articles en question et si vous êtes d'accord, eh bien vous le publiez et comme ça vous permet d'avoir à peu près 60 articles par mois gratuitement en échange d'un lien qui pointe de votre blog en question, de votre blog vers le blog de la personne qui a écrit sur votre blog. Okay? Donc ça se fait, ça se fait même très bien. Et donc voilà, ça c'est un premier business qui fonctionne sur Internet et qui peut vous rapporter, je vais dire, pour une première année, vous pouvez espérer gagner à peu près 5 000 euros par mois. Donc bien sûr, au fur et à mesure du temps, plus vite ça évolue, plus vite vous allez gagner de l'argent sur Internet et de façon massive. Donc ça c'était le premier business plan qui va vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Donc il faut savoir que c'est un business qui est assez long à mettre en place. Je dirais que ça prend à peu près 1 an.
Mais une fois que c'est lancé, une fois que c'est sur les chapeaux de roue, enfin une fois que c'est lancé, voilà, ça rapporte de l'argent sur Internet et pas des 1000 euros. Là, on parle de grosses sommes qui sont au-delà de 5000 euros dès la première année. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième type de business. Un deuxième type de business que moi-même j'utilise. J'en parle pas forcément tout le temps, tout simplement parce que c'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent sur Internet. Il faut savoir que moi, ce que je fais, c'est que mon activité principale, c'est la vente de formations sur Internet pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent sur Internet. Mais il faut savoir aussi que j'ai d'autres sources de revenus, tout simplement parce que je diversifie mes sources pour éviter d'être totalement dépendant d'un seul et même business. Donc ici, je vais vous expliquer mon deuxième business que j'ai actuellement sur Internet, qui est la vente d'e-books sur Amazon. Alors, c'est pas n'importe quel type de vente d'e-books sur Amazon. Il faut savoir que vous pouvez écrire un e-book et ensuite le vendre sur Amazon. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous démarrez. C'est bien pour une première expérience. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de produire plus d'e-books et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps puisque certains d'entre vous ont des jobs à 35 heures par semaine, travaillent, ont un boulot, ont peut-être une famille, ont des choses à faire. Donc forcément, vous n'avez pas beaucoup de temps. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je m'attaque à ce business-là. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, encore une fois, c'est un business en trois étapes. Je vais vous le montrer encore une fois ici. Donc, première étape, ça va être de trouver des rédacteurs. Donc là, on va parler plutôt d'investissement. Ok, moi, il faut savoir que je paye en moyenne 250 euros pour qu'un rédacteur m'écrive un petit livre d'environ 50 pages. Ok, il faut savoir que moi, je paye des rédacteurs canadiens. Donc, je paye. Enfin, ça, c'est un tarif qui a été négocié puisque moi, je demande pas un seul e-book. Moi, je demande des. Enfin, je fais des grosses commandes. Donc, j'ai réussi à négocier 250 euros pour 50 pages. Mais il faut savoir que dès le départ, vous serez plus. Si vous commandez un e-book à la fois pour commencer, vous serez plus aux alentours de 350 euros pour environ 50 pages. Donc, admettons que vous payez 350 euros un rédacteur pour qu'il vous écrive un livre. Un e-book de 50 pages, eh bien une fois que vous avez votre e-book de 50 pages, il vous reste plus qu'à le mettre en vente sur Amazon. Donc une fois que vous l'aurez mis en vente par exemple au tarif de par exemple 6,90 euros, eh bien il faudra que vous fassiez par exemple 50 ventes à peu près, et ça vous rapportera à peu près, je vais dire, je sais pas moi, 700, donc ouais, à peu près 350 euros. Donc 50 ventes, ça vous fait à peu près 350 euros de bénéfices. Donc voilà, concrètement, si vous payez quelqu'un 350 euros pour 50 pages, il suffit que vous vendiez 50 exemplaires en un an, c'est tout à fait possible. Et vous allez récupérer vos 350 euros, puis après, ça va être du bénéfice en plus, en plus, en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment, encore une fois, très intéressant. Moi, il faut savoir que je paie des rédacteurs 250 euros par mois. Je paie un rédacteur 250 euros chaque mois pour qu'il m'écrive un nouvel e-book de 250, enfin pour de 250 euros pour 50 pages. Je vends en moyenne cet e-book 6,90 €. Donc, je le mets sur Amazon. Et ensuite, bah, tout simplement, je récolte les revenus tous les 3 mois sur Amazon. Donc, tous les 3 mois, je fais un versement de Amazon vers mon compte bancaire. Donc je récupère mon argent. Donc ça, encore une fois, c'est un business qui fonctionne très bien, qui est plus un business à long terme. Et donc forcément, arrivé un moment, moi ce que je vous conseille comme objectif, c'est vraiment de publier un e-book par mois au minimum. Et vous allez voir que ben, à la fin de l'année, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça vous fait 12 e-books en un an. Il faut savoir que un e-book en moyenne, même si vous n'êtes pas forcément dans une grosse niche, vous pouvez en moyenne en récolter de un seul e-book. Hein. Vous pouvez faire en moyenne, je vais dire, par exemple, une dizaine de ventes. 10 ventes d'un e-book, ça me semble correct. Donc ça vous fait 10 ventes par mois. Et vous avez 12 e-books. Donc ça vous fait 120 ventes par mois. 120 ventes, 120 ventes ici d'un e-book à par exemple 6,90 €. Donc on va arrondir à 7 euros. Vous êtes en moyenne à 120 ventes, 7 euros, ça vous fait à peu près du 700, ça vous fait à peu près du 800 euros. On arrondit à 800 euros. Voilà, donc à la fin de la première année, vous avez gagné 800 euros tous les mois,
mais là, ça demande un certain investissement. Alors, il faut savoir que vous pouvez aussi écrire les e-books. Moi, c'est ce que je recommande pour commencer. La seule condition vraiment qui est nécessaire, c'est qu'il faut que le livre soit intemporel. Ok, donc vous devez absolument faire en sorte que votre livre traite d'un sujet qui soit intemporel, donc qui ne soit pas, qui soit toujours consultable dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'idée, c'est vraiment d'avoir un livre qui parle de quelque chose qui peut être lu de façon identique dans des années. Donc, si vous voulez commencer par écrire votre propre e-book, moi, c'est ce que je vous recommande pour tester le truc, c'est d'écrire un e-book par mois, par exemple pendant 3 mois. Et les 3 premiers mois, vous allez pouvoir gagner de l'argent comme ça. Donc, il faut savoir que ben, moi, j'ai créé une formation. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste là. Ça va vous montrer du coup comment créer un e-book sans écrire une seule ligne. Et je vais vous montrer du coup ben, comment jusqu'à le mettre en vente sur Amazon. D'ailleurs, j'ai eu un très bon résultat de cette formation, puisque récemment, en fait, il y a une de mes clientes qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle effectuait ses premières ventes d'e-book alors qu'elle était vraiment qu'au tout début, elle avait à peine mis en vente, qu'elle avait déjà eu plusieurs ventes. Donc d'ailleurs, si cette cliente me regarde, je lui passe le bonjour. Elle est actuellement en Égypte, donc voilà, je te fais un petit coucou et puis bonne chance encore une fois pour tes prochaines ventes. Troisième type de business, ça va être vraiment les blogs. Encore une fois, les blogs, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, l'idée, c'est de créer un blog, de créer une formation vidéo, de créer ensuite des articles de blog, donc vous-même, et donc du coup, ben, de récupérer les emails, d'envoyer ensuite des emails automatiquement et de vendre du coup vos formations vidéo sur Internet. Alors, ça, encore une fois, c'est un business model qui est relativement simple à mettre en place et qui rapporte énormément. Donc concrètement ici, première étape, vous créez une formation vidéo, absolument important. Ensuite, vous créez des articles pour ramener des visiteurs sur votre blog. Ensuite, vous récupérez les emails automatiquement. Et enfin, du coup, vous allez pouvoir vendre vos formations puisque en récupérant les emails, vous allez pouvoir envoyer chaque jour un email. Et dans cet email, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir un lien vers une de vos formations qui va vous permettre de générer des euros sur Internet. Et donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Bah, regardez, première étape, donc là l'entonnoir c'est le blog. Première étape, vous attirez des visiteurs. Deuxième étape, vous récupérez les emails des visiteurs qui arrivent sur votre blog. Et automatiquement, donc du coup, vous leur envoyez donc des emails avec un lien vers une page où vous présentez votre formation en vidéo. Et donc du coup, il y a un certain pourcentage de personnes qui va acheter votre formation et du coup, ça va vous générer des revenus. Alors, pour que vous fassiez un petit peu une idée de combien est-ce qu'on gagne en étant blogueur, il faut savoir que moi, dès la première année, je dépassais les 2000 euros de chiffre d'affaires et que là, ça fait maintenant 1 an et demi et je suis à plus du double du SMIC. Je gagne à peu près le salaire d'un cadre moyen en France, sauf que bah voilà, pourtant, moi, je travaille sur Internet. Je n'ai que 22 ans et puis voilà, je ne suis pas cadre, je n'ai pas fait de haute étude. J'ai pas fait d'école de commerce, mais voilà, je gagne pourtant le salaire d'un cadre, tout simplement parce que j'ai des business sur Internet qui fonctionnent. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste en dessous, puisqu'en fait, je vous ai préparé 1 heure de formation offerte où je vous explique comment créer un blog de cette façon, donc le troisième business model. Je vais prendre 1 heure pour vous expliquer bah, du coup comment créer votre formation vidéo, comment attirer des visiteurs sur votre blog et du coup comment récupérer les emails et envoyer des emails automatiquement. Et je vous montrerai également comment vendre vos formations vidéo sur Internet. Voilà, je vous dis à bientôt et cliquez sur le lien qui est juste en dessous pour que je puisse vous montrer tout ça. Je vais même vous donner une liste de 30 thématiques de blog, comme ça vous n'aurez plus qu'à choisir la thématique et commencer à créer votre blog. Allez, salut!